Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, chers candidats des différents concours, vous savez, il y a une seule plateforme qui peut vous renseigner sur l'ensemble des concours. Il s'agit de la plateforme Les Aides de Freddy. Vous tapez lesaidesdefreddy.com dans l'onglet concours et nous sommes sur cette merveilleuse plateforme. Vous aurez toutes les informations en ce qui concerne l'ensemble des concours, les concours en cours, qu'est-ce que vous devez savoir étape par étape. Dans cette vidéo, nous allons répondre à l'une de vos préoccupations majeures. Monsieur Freddy, quelle est la date de composition pour le concours d'entrée à l'INFA session 2023, Monsieur Freddy? Quand les convocations seront disponibles, Monsieur Freddy, comment procéder pour imprimer les convocations, Monsieur Freddy, en cas de difficulté? Qu'est-ce que je dois faire? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Oui, les dates de composition, le calendrier de composition pour le concours d'entrée à l'INFA session 2023, comme vous voyez, la date de composition et convocation disponible ici. Et vous voyez toujours ça en dessous, imprimer, cliquez ici pour imprimer votre convocation. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Et ce que nous avons l'habitude de dire, pour réussir un concours, n'oubliez pas qu'il faut mettre l'accent sur votre préparation. Même s'il reste des semaines, vous pouvez optimiser votre champ de réussite en maximisant le temps de travail pendant ces deux semaines. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quand vous arrivez sur notre site lesaidesdefreddy.com, vous voyez date de composition et convocation. Cliquons là, date de composition et convocation. Comme vous voyez, concours direct d'entrée à l'INFA session 2023. OK. Vous voyez, en rouge, imprimer ma convocation. En bleu, date de composition niveau bac. En bleu clair, date de composition niveau BEPC. Alors, on va visiter les calendriers, les différentes dates de composition avant d'imprimer la convocation. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, quelles sont les dates de quel est le calendrier de composition pour le concours de l'INFAT niveau BEPC? Il s'agit des auxiliaires de santé. Nous allons cliquer là pour vérifier rapidement la date de composition, le calendrier de composition. OK, quand cliquons là, tombons sur la page, voyez, auxiliaire, concours direct d'entrée à l'INFA des auxiliaires de santé, calendrier des compositions, édition 2023. Alors, quelles sont les dates? Voici le calendrier de composition. Nature du concours, date et heure. Hygiène de santé, option, auxiliaire de santé, option, hygiène et assainissement. La date de composition, c'est le 23 août 2023, de 9h à 11h. Auxiliaire de santé, option, imagerie médicale, 23 août 2023, de 14h à 16h. Auxiliaire de santé, option, auxiliaire des soins infirmiers, le 24 août 2023, de 10h à 12h. Auxiliaire de santé, option biologie médicale, 24 août 2023, de 14h à 16h. Auxiliaire des soins obstétricaux, 25 août 2023, de 10h à 12h. Auxiliaire de santé, option préparateur et gestionnaire en pharmacie, 25 août 2023, de 14h à 16h. Alors, nous retournons pour vérifier rapidement les dates de composition pour le concours niveau bac. Nous cliquons là et là, nous allons afficher le calendrier. Comme vous voyez, concours calendrier des concours édition 2023, concours d'entrée à l'INFAS des infirmiers, sages-femmes et maïeuticiens, techniciens supérieurs de santé. Alors, technicien maso-kinésithérapie, 16 août 2023 de 9h à 11h. Technicien d'hygiène et d'assainissement, 16 août 2023 de 14h à 16h. Préparateur et gestionnaire en pharmacie, 17 août 2023 de 9h à 11h. Technicien biomédicaux, de 17 août 2023 de 14h à 16h. Technicien biologie médicale, 18 août 2023 de 9h à 11h. Technicien d'imagerie médicale, 18 août 2023 de 14h à 16h. Infirmière diplômée d'État, 19 août 2023 de 10h à 12h. Et sage-femme maïeuticien, 20 août 2023 de 10h à 12h. Orthophonie, 21 août 2023 de 9h à
11h. Voici le calendrier, de composition niveau BPC et le calendrier de composition niveau BAC. Alors, maintenant, on va imprimer la convocation. Comment imprimer la convocation? Tapons là pour pouvoir imprimer la convocation. Vous arrivez sur ce site. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre soit votre numéro d'inscription, ok, ou votre numéro d'étape, ou bien votre code candidat disponible dans votre espace candidat. Pour ceux que vous connaissez à votre espace candidat, vous allez voir un numéro en rouge. Code candidat, c'est ce numéro que vous devez utiliser. Ça commence par CD, CD23, CD, voilà. Et vous tapez sur rechercher. Votre, voici ce qui s'affiche, votre nom, votre prénom, votre photo va s'afficher et vous verrez exactement, vous vérifiez vos informations s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Si vous présentez deux ou trois concours, vous allez voir les calendriers des deux ou trois concours qui vont s'afficher. Notre candidat pris en exemple, ce candidat compose en tant qu'infirmier, infirmière au lycée, ok, la date le 19 août de 10h à 12h. Il compose en tant que technicien supérieur de santé, préparateur et gestionnaire en pharmacie le 17 août 2023 de 9h à 11h. Alors, comment imprimer la convocation? Il y a le centre de composition, vous voyez, il y a la ville de composition, quartier du centre, il y a le sous-centre et il y a la salle de composition qui s'affiche. Nous allons imprimer rapidement la convocation et vous verrez comment ça se présente. Quand tapons là, ça va se télécharger et vous tombez là, votre photo, vos informations vont apparaître. Ce qui nous intéresse ici, c'est le calendrier qui figure là-bas. NBNB, une pièce d'identité. Vous devez partir avec une pièce d'identité et la convocation. Les deux sont exigés à l'entrée de la salle de composition. Alors, une pièce d'identité valide. Vous avez une attestation d'identité valide ou une pièce d'identité valide. Vous devez partir avec une pièce d'identité. Les candidats doivent être dans leur salle respective 45 minutes avant le début des épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que notre candidat compose la première épreuve, c'est le 19 août de 10h à 12h. Le candidat doit arriver à 9h15 au plus tard. Donc, arriver à 9h00, une heure avant. Les candidats, ok, les candidats sont priés de visiter leur centre. Ça, c'est un conseil. Visitez vos centres de composition avant la date prévue pour la composition. Aucun candidat ne sera admis dans le centre de composition après la distribution des épreuves. L'utilisation du téléphone portable est formellement interdite dans l'enceinte du centre de composition. Donc, laissez vos téléphones à la maison, c'est très très important. Alors, consigne à l'attention des candidats qu'on vous conseille de lire consciencieusement avant de partir, conduite avant le début des épreuves, vous devez vous présenter, comme on a dit, dans le centre de composition, menu de votre convocation et de votre pièce d'identité. Aucun candidat ne sera autorisé à composer après un retard de 15 minutes. Se débarrasser de tous les documents et les catarbes émagés sur la fiche de présence. Alors, donc, c'est que tout candidat surpris avec un téléphone dans l'enceinte du centre de composition, pas dans la salle, même dans le centre de composition, sera considéré en situation de fraude, exclu du centre de composition et mis à la disposition des autorités judiciaires. En d'autres termes, l'utilisation des téléphones portables est formellement interdite dans l'enceinte du centre de composition, pas dans la salle seulement, mais dans la cour du centre de composition. Conduite pendant les épreuves, évitez de communiquer entre vous, évitez de retenir tout document, cahier, prise de notes, etc. Évitez tout signe distinctif sur les feuilles de composition. Évitez de communiquer avec l'extérieur. Utilisez de manière exclusive un stylo à billes de couleur bleue ou noire. Restez dans la salle après le début des épreuves. Les candidats ne sont autorisés à sortir qu'après 2 heures de composition, sauf en cas de force majeure. La conduite à tenir après les épreuves, vous rendre les copies, les épreuves et les brouillons. Il faut rendre les copies, les épreuves et les brouillons imagés sur la fiche qui atteste du dépôt de la copie à la fin de la composition. Évitez de rentrer dans la salle ou centre d'examen lorsque vous avez fini votre composition. Signez la direction. Alors, chers candidats, vous le savez, pour réussir, le conseil qu'on vous donne, reste concentré jusqu'à la fin. Ne soyez pas intimidé. Le peu que vous avez appris jusqu'à maintenant est
déjà largement suffisant pour vous aider à réussir. Comme on le dit toujours, pour réussir, il faut avoir la mentalité de succès. Il faut travailler encore et encore. Il faut y croire et vous allez réussir. Dans la salle de composition, restez concentré. Oui, écrivez. Lorsque vous êtes sûr de la réponse cochée, si vous n'êtes pas sûr, il est préférable de ne pas cocher parce qu'une mauvaise réponse peut vous retirer des points. Alors, bonne chance pour la suite. Contactez-nous en cas de besoin. Pour ceux qui ont des difficultés avec leur convocation, on vous demande de vous rendre rapidement dans à l'INFAS, dans l'antenne INFAS la plus proche de vous pour pouvoir faire une réclamation rapide. Bonne chance pour la suite. À très bientôt et au revoir.